Du coup, je pense qu'il est temps de commencer. Bonsoir à vous qui regardez ce stream, ou si vous n'êtes pas là, que vous regardez la rediff sur YouTube, je l'espère en tout cas. Excusez-moi, je setup un peu tout ça, et vous savez quoi? On m'avait dit lors de précédent stream que je mettais pas de musique. Mettons-en un peu, si ça vous dit. Je sais pas trop comment ça va rendre au niveau du son, mais on va tenter ça. Bon, en tout cas, j'espère que ça va pour vous et que vous passez un agréable week-end, que le mois de février s'est bien passé parce qu'on arrive à la fin. Et ben voilà, en fait. Et oui, on va y arriver à ce qu'il y a dans le titre. J'ai bien l'intention d'en parler. Alors, voilà. Le souci va venir de là. Au niveau du son. Comme je ne sais pas s'il y a du monde, je vais faire le réglage moi-même. Je vais attendre encore un petit peu parce que là, c'est encore en train de monter. Mais bon, je verrai bien. On va voir. On va. Ce que je vais faire, c'est couper la musique et mettre le son du live pour avoir un peu une aperçu. Je suis pas sûr, on va voir ce que ça donne en laissant. Alors, comment ça peut. Bon, ça a pas l'air si. Ça a pas l'air si pire que ça. Donc, on va laisser comme ça, écoutez. Voilà. Ah. Hop, voilà. Donc voilà, je mets des petites musiques tranquilles. Niveau cam, on va faire comme ça. Ah. Je mets des petites musiques tranquilles parce que c'est le moment discussion. Les moments discussion, c'est utile. Donc, on va rester sur des musiques appropriées. En tout cas, voilà. J'espère que ça va de votre côté. Moi, c'est tranquille, écoutez. Donc, on en est à je sais pas combien de temps de live, très bien, on n'a pas beaucoup, hein, 7 minutes. 7 minutes, c'est pas beaucoup, beaucoup, mais il y a quand même quelques petites choses à dire, hein. Ça, vous vous en doutez bien. Du coup, hop, je fais ça, je fais ça. Je vais traficoter un peu sur OBS, hop. Ah bah voilà. Ah bah voilà, là c'est parfait. Hop, voilà. Donc, nous sommes ici sur le Pokémon Presents du 26 février. Voilà. Que je suis absolument dégoûté qu'il ait eu lieu le 26 février à 16h. C'était donc hier. J'aurais tellement aimé qu'il ait lieu aujourd'hui à 16h, parce que s'il avait eu lieu aujourd'hui à 16h, j'aurais fait la réaction en direct. J'aurais fait la réaction en direct, c'est absolument certain, parce que ben, je vois beaucoup de gens réagir en direct, hein. Moi-même, j'en regarde. Et là, franchement,
Ça aurait été l'occasion parfaite pour un live react vraiment à la première de la vidéo. Donc je suis un peu dégoûté pour ça. Mais, oh, salut petit foufou. Oui, salut, ça, bah moi ça va bien. Et j'étais en train de dire que j'étais absolument dégoûté que ce soit hier le Pokémon Direct et pas aujourd'hui. Parce que franchement, s'il avait été aujourd'hui à 16h, il y aurait eu un live react. À 100%. Donc, je vous le dis, je vais quand même donner un peu mon opinion. Donc, je lance un peu, voilà. Franchement, j'ai quand même été plutôt satisfait des annonces. Alors, ce qu'ils font au début, c'est qu'ils font beaucoup de, comment dire, font des grosses rétrospectives. Parce que Pokémon, c'est une licence qui se base, comme beaucoup de licences, sur la nostalgie des fans. Alors ça, Hey You Pikachu, c'est jamais sorti en France. Parce qu'il y avait une reconnaissance vocale. Il y a un petit micro que tu branches sur ta N64. Alors attends, hop. C'est où? Là, c'était les films. Là, c'était Stadium. Voilà. Là, c'était un petit micro que tu branchais sur ta manette de N64, tout simplement. Et en fait, le but du jeu, c'est d'essayer d'apprivoiser un Pikachu sauvage. Et il fallait parler dans le micro pour essayer d'apprivoiser le Pikachu. Il y avait un système de reconnaissance vocale. C'est jamais sorti chez nous parce que, ben, à la limite, une reconnaissance vocale en anglais, vu que l'anglais c'est la langue un peu universelle, ça passe, mais en français c'était trop compliqué. C'est pour ça que c'est jamais sorti. Alors c'est pour ça que les gens peut-être connaissent, peut-être pas. Voilà, c'était une petite anecdote comme ça. Ah, Snap. Pokémon Snap. Ah oui, c'était l'époque des avions Pokémon, hein. J'espère que ça va au niveau du son, n'empêche. Y a des trucs, il y a que les Japonais qui les ont eu, hein, un truc sur téléphone, là. J'ai pas souvenir de ça, hein. Ah, l'e-reader. Yeah, ça c'est mes premiers jeux, Ruby et Saphir. C'était l'introduction du 2v2, ouais. Ah, les adaptateurs sans fil. Donjon mystère. Diamant et perle. Ça, c'était. C'était assez ouf, diamant et perle, quand même. Loopline. La cinquième génération, c'est vraiment la génération que j'ai manquée. Ouais, clavier interactif, ça je l'avais vu. J'ai vu passer, oui. Dans des rayons de Fnac. Voilà. C'est ce qui m'a remis à la licence, les jeux de sixième génération. Notamment ceux-là. On se demande pourquoi.
Le phénomène auquel j'ai échappé. Bonjour Mixed Freeze, ça va bien? Sun Moon. Je fais un débrief du Pokémon Presents d'hier. Let's go, pareil, j'ai pas eu, j'ai pas adhéré. Ah, le film. Ah, je suis content qu'il existe ce film et qu'il soit si bien. Et en plus, en 2019, on a eu épée et bouclier. Je suis moi Toto, j'ai changé de pseudo. Je sais pas si t'étais déjà venu sur les lives, mais bon, en tout cas, ça fait plaisir de voir quelqu'un. Merci beaucoup. Donc voilà, c'était là. Oui, j'étais le premier. Ah, d'accord. Ok. Bah, c'est cool que tu sois revenu dans ce cas-là. Go fest. Ça a quand même duré 5 minutes 30, ça. Cette rétrospective. C'était lui le maître de conférence pour cette vidéo. Ah, New Pokémon Snap. Ça peut être très sympa, franchement. Je pense vraiment me le prendre. Parce que le Pokémon Snap de base, il date de 2000 sur Nintendo 64. Sauf qu'en 2000, il y avait combien de générations de Pokémon, hein? Ben, il y en avait une. Là, il rattrape le temps, hein? Là, il y en a 7 de plus, quand même. Ouais, mais ça, c'est super stylé, quoi. Alors, il y en a qui se marraient beaucoup sur le premier Pokémon Snap parce qu'il y avait des boules de fumée. Tu pouvais lancer des boules de fumée sur les Pokémon. Ça, je trouve ça super stylé qu'ils ramassent la pomme, en fait. Ils rendent vraiment le monde vivant. Et je trouve ça génial. Donc voilà, c'est pas un jeu principal, mais franchement, c'est sympa. Parce que moi, dans la vie, lors d'événements un peu particuliers ou même pas vraiment, je prends beaucoup de photos. Donc, si on peut mêler une de mes licences de jeux vidéo préférées,
Avec le fait de pouvoir prendre des photos, ben moi je suis content, hein. Bon, par contre, les retouches, j'ai jamais utilisé Photoshop, donc je suis pas très fan, à part peut-être recadrer directement sur l'appareil photo, mais sinon non. Après, à voir ce que ça peut donner. Là, ça, Là, je vais m'arrêter quand même 2 secondes sur un truc que j'aime bien. Ça, allez. Les carapaces de grisacier qui reluisent au soleil. Je trouve ça super beau. C'est juste ce petit détail, mais ça fait quand même beaucoup. C'est évident les fleurs. Pour ceux qui auront la ref. Dans 2 mois. Dans 2 mois. Donc ça, c'est très sympa. Ça reprend du rail shooter, mais c'est vous prendre des photos. Donc moi, je trouve ça cool. Donc ça, c'est les trucs un peu événements spéciaux pour l'anniversaire. Dans les jeux qui tournent en ce moment. Voilà. Voilà. Moi, je joue à rien à part bah, justement épée et bouclier. Mais ça m'intéresse pas d'avoir un Pikachu Gigamax, quoi. Et donc là, on arrive au jeu de la série principale. Donc ils nous font remonter le temps encore une fois, donc voilà, Gen 6, Gen 5, et forcément, ils s'arrêtent en 2007, parce que c'est la génération 4, c'est la génération qui hype, c'est la génération populaire, c'est la génération dont tous les fans attendent un remake, voilà, bon, ça fait quelques années maintenant, on s'en doutait. Sauf que ils disent laissez-vous éblouir à nouveau. Et ben oui, on va être ébloui, oui. Mais pas vraiment dans le bon sens du terme, si vous voulez mon avis. Parce que ça, c'est pas fou du tout pour la Switch. Pour rester gentil. Pour moi, c'est à peine digne d'un Let's Go ou d'un jeu 3DS. C'est niveau graphique sur l'Overworld, je peux pas. Bon alors, ouais, ça a l'air d'être les souterrains. Les souterrains, c'était cool ça. Il y a plein de trucs cool en 4G, mais pourquoi ils ont pas fait comme les précédents remakes? En adaptant le style graphique. Au jeu d'introduction de la nouvelle génération qui sont sortis juste avant. Comme Rouge Feu Vert Feu, ils se sont adaptés à Ruby Saphir. Comme bah, Ruby Omega Saphir Alpha, ils se sont adaptés à XY. Là, non. Là, c'est juste le remake parce que la licence est populaire, mais qu'ils n'avaient pas l'idée de remake. Et je trouve ça trop dommage. Donc, moi, il me hype pas. Mais. Et c'est toujours à Sinnoh. Donc j'ai bien compris que c'était la 4G qui était hype là.
le mont couronné. Et là, tu te prends une claque. Là, c'est une vraie claque. C'est vraiment les graphismes de Zelda Breath of the Wild transposés à Pokémon. Et ça, c'est incroyable. Et pareil, les sprites des héros ont l'air d'être calqués sur les sprites des héros de la quatrième génération. Et là, tu peux capturer comme ça ou en combattant. Ça, c'est incroyable. Tu choisis comment tu captures le Pokémon. Là, tu le mets juste en face du Kyonotor, quoi. Là là. Il y a vraiment un travail sur les effets de lumière en plus. Bon, c'était le cas dans Épée Bouclier. Ils prennent des starters qui sont pas de la même génération. C'est cool. Ils ont même des petits artworks spécifiques. Et je veux m'arrêter une seconde sur ce qu'on a à gauche là. Parce que ce qu'on a à gauche là, bah c'est une ancienne version d'une Pokéball. C'est la Pokéball à l'ancienne. Donc, on voit enfin, ça c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu avant. On voit à quoi ressemblait une ancienne version, une version obsolète de Pokéball. Je trouve ça absolument incroyable. Et puis là, bon, ben, on a le Pokémon légendaire du jeu, c'est Arceus, tout simplement. Le dieu créateur. Et la légende Pokémon Arceus. Et alors, ce jeu-là, s'il marche, vraiment, bravo Game Freak, quoi. En plus, c'est marqué comme étant de la série principale. Donc c'est vraiment bien quoi. Ça, c'est tellement dommage. Parce que franchement, les jeux de quatrième génération, je pense que c'est les jeux qui, objectivement, selon moi, ont le moins de défauts. Seraient les meilleurs, en fait, de ceux auxquels j'ai joué, parce que je ne les ai pas tous faits. Franchement, autant jouer à l'original. Ouais, franchement, bah, c'est plus pour les nouveaux joueurs. C'est plus pour les nouveaux joueurs parce que bah, si t'as joué à la version DS, reprends-la parce que ça, la version DS, elle a pas vieilli en fait. Ouais, pour moi, ce sera non, ça. Ouais, c'est juste une texture 3D. Et puis voilà. 3D plus shader. Ouais. Mais est-ce qu'il y aura des choses que j'aime bien dans les jeux Pokémon, dans celui-là? Le breed, par exemple, l'élevage stratégique. Ça, je suis pas sûr, hein.
Il y aura un village. J'ai l'impression qu'il y aura un seul village et que ce sera le hub. Ils ont des nouveaux artworks, ces trois-là, du coup, spécialement pour le jeu. Par contre, je me demande où sera situé le village. Est-ce que ce serait un équivalent à Félicité ou à Union Police, qui sont les deux plus grandes villes de Sinnoh? Ou autre part, hein. Bah en fait, là, on revient aux sources de la licence, quoi. Les prototypes de Pokéball, comme je l'ai souligné. À nous le découvrir. Voilà. Encore un an. Je pense que ça va. Ouais, vraiment nostalgique pour les remakes Diamant et Perle, c'est vraiment en mode vous nous les brisez avec vos envies de remake là, donnez, prenez-les, arrêtez maintenant. Et donc voilà, c'est fini. Vidéo des 25 ans de Pokémon. Ouais. Et ben franchement, moi j'ai beaucoup aimé. Je suis hypé aux deux tiers, voilà. Parce que bon, il y a ce truc des remakes Diamant et Perle qui m'embête un peu. Mais bon, c'est comme ça. Attendez, du coup, je vais peut-être vous remettre comme ça. Hop. Voilà. On va remettre la musique. Et puis voilà, c'est surtout ça qui m'embête un peu. Mais bon, voilà, hein, ça fait tellement de temps que les gros fanboys de la quatrième génération, ils veulent absolument leur remake. Mais je les plains un peu, en fait. Je les plains un peu parce que bah, ce remake est loin d'être à la hauteur des précédents. C'est tout. Et c'est assez dommage. Mais bon, on a vu qu'il était pas vraiment développé par Game Freak directement, contrairement aux autres. Ça joue peut-être, parce que peut-être Game Freak voulait se concentrer sur les gens de Pokémon Arceus. Alors, ils font bien, mais bon, est-ce que ça valait vraiment le coup de bâcler un jeu? Je sais pas. En tout cas, les gens de Pokémon Arceus, ça, c'est un grand oui. Et ben. On a New Pokémon Snap pour patienter. Donc moi j'y jouerai de mon côté, New Pokémon Snap. Donc voilà, ça va être pas mal. Je suis plutôt content. Voilà, tout simplement. J'ai pas mal envie, il me donne pas mal envie. Et j'espère que ça vous a plu, tout ça. Je sais pas s'il y a encore du monde dans le chat, mais dans les commentaires de la rediff sur YouTube, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous attendez de ces jeux, tout ça. Voilà. Voilà, c'était surtout ça que je voulais faire dans cette phase de blabla avec vous, parce que c'était le gros événement de... Pardon.
C'était le gros événement de cette semaine, quoi, tout simplement. Voilà. Que j'ai pas grand-chose à raconter en plus. Et peut-être que on pourrait partir du coup sur Pokémon Émeraude Plus parce que ça fait un moment. Et puis moi j'ai un peu envie d'avancer. D'ailleurs, là je parlais de la 4G. Bah, c'est un remix d'une musique de quatrième génération qu'on entend là. Parce que les musiques de la 4G sont vraiment très bonnes. Il y en a qui se détachent vraiment du lot. Et voilà. Je propose peut-être que on parte sur Pokémon Emerald Plus. Donc je vais séparer en deux parties, comme à chaque fois. Je vais juste changer les infos du stream. Et puis, je lance ça. Et puis, ben, ce sera bon.